écoutez, je suis à nouveau très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un sujet d'actualité. Vous savez que ça fait maintenant 5 mois quasiment que je suis censuré par la tyrannie gaucho-progressiste qui m'empêche de parler dans les médias de manière injuste, un véritable goulag médiatique qui m'est imposé. Mais grâce à cette chaîne YouTube, je peux continuer à vous parler, chaîne YouTube à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le pouce en bas de cette vidéo, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les nouvelles productions qui seront postées sur cette chaîne. Je remercie également les donateurs de plus en plus nombreux à ma cagnotte de la résistance, celle qui m'aide dans mes combats judiciaires pour casser ces décisions injustes dans un pays démocratique dont c'est indigne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, vous êtes très nombreux à me soutenir. N'hésitez pas à le faire, vous avez le lien de la cagnotte de la résistance en bas de cette vidéo. Un grand merci à vous. Place désormais à ce sujet d'actualité qui a défrayé la chronique ce week-end, à savoir l'inauguration du Salon de l'agriculture par Emmanuel Macron. Inauguration au cours de laquelle nous avons pu voir à quel point il y avait un choc de deux mondes, presque un nouveau choc des civilisations. Comme légion de Français, vous sans doute, je me suis levé samedi matin en me branchant sur les chaînes d'information en continu pour savoir ce que ce 24 février 2024 allait nous apporter comme nouvelle de cette France qui n'en finit pas de souffrir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas été déçu. J'allume mon poste et en plein écran, je vois distinctement le président de la République au milieu de dizaines de CRS casqués et armés. Et naïvement, je me dis « Génial ! Emmanuel Macron visite enfin une caserne de flics où il va enfin rendre hommage à nos très chères forces de l'ordre qui font un travail remarquable sur le terrain et qui sont plébiscitées par une écrasante majorité de Français. » Que nenni ! En y regardant de plus près et en lisant le bandeau, vous savez, le synthé comme on dit dans les médias, en bas de l'écran, ça prolote ! Macron inaugure en réalité le salon de l'agriculture. Diable ! Que se passe-t-il donc de si grave qui justifie un si impressionnant dispositif de sécurité ? Un attentat ? Une bagarre générale ? Un incendie dans le hall principal ? Non, rien de tout ça. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est la simple arrivée du président de la République à ce traditionnel rendez-vous annuel qui a déclenché une colère inouïe. Colère qui s'est déchargée dans une scène d'émeute, dans des scènes d'émeute quasi insurrectionnelles. Ces scènes sont d'autant plus invraisemblables qu'elles sont inédites depuis la première édition du Salon en 1964. Ce rendez-vous annuel de la campagne à Paris où se bousculent les politiques de tous bords est très rapidement devenu une sorte de baromètre de popularité. D'où il vient que l'accueil particulièrement violent réservé au chef de l'État pour cette 60e édition du Salon de l'agriculture est le signe d'un rejet profond et d'une impopularité incandescente, non seulement de la politique d'Emmanuel Macron, mais d'Emmanuel Macron lui-même, sa personne. Toujours est-il que le chaos porte de Versailles ce samedi 24 janvier 2024, c'est du jamais vu. Jamais vu. Pourquoi diable un tel rejet ? Pourquoi le président de la République en exercice fait-il donc l'objet d'une telle haine ? Avant d'aborder les raisons de fond qui expliquent la colère du monde agricole, arrêtons-nous un instant sur le fossé qui sépare le logiciel idéologique d'Emmanuel Macron et l'univers rural et campagnard qu'il est venu rencontrer à Paris. Ce fossé, que dis-je, ce canyon entre ces deux mondes a été admirablement théorisé par l'économiste et écrivain britannique David Goodhart dans un ouvrage paru en 2019 et intitulé « Les deux clans ». Ouvrage qui a eu un très grand retentissement dans le monde intellectuel et journalistique français. Qui sont donc ces deux clans décrits par David Goodhart? David Goodhart part d'abord de ce qu'il appelle les « anywhere ». C'est le premier clan. En gros, ceux qui sont de partout ou de n'importe où, c'est-à-dire de nulle part. L'auteur explique que les « anywhere » adhèrent à l'idée d'un individualisme progressiste dont la mentalité accorde beaucoup de valeur à l'autonomie, à la mobilité, à l'innovation et nettement moins à l'identité du groupe, à la tradition
et aux pactes nationaux comme l'Église, la patrie ou la famille. La plupart des Anywhere voient d'un bon œil l'immigration, l'intégration européenne, la diffusion des droits humains, autant d'éléments qui ont tendance à diluer les revendications nationales. Ces Anywhere sont pour une société liquide. Et Goodhart précise qu'Emmanuel Macron en France représente cette technocratie progressiste qui domine, entre autres, l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, les tribunaux internationaux des droits de l'homme, et ainsi de suite. Le deuxième clan identifié par Goodhart est celui des somewhere, les quelque part, qui ont des instincts plus conservateurs et communautaristes. Ce sont dans l'ensemble des individus aussi modernes, mais dont la mentalité relève du sens commun, du bon sens, de ces préjugés dont Barrès rappelait qu'ils nous tiennent chaud. Ces deux clans, Anywhere et Somewhere, ont une vision irréconciliable. L'opposition entre le progressisme censitaire des Anywhere et le conservatisme démocratique des Somewhere se durcit dès lors que l'indépendance des banques centrales, l'influence grandissante des cours de justice internationale et l'emprise croissante des lois de l'Union européenne ont soustrait beaucoup de décisions aux processus démocratiques nationaux. La question de la culture, au sens des valeurs et de l'identité, a pris autant d'importance que la traditionnelle question économique. Pour Goodhart, et on est tous d'accord là-dessus ici, une société n'est pas simplement un agrégat d'individus vivant côte à côte, à proximité les uns des autres, et dans lequel on pourrait facilement transplanter des millions de personnes venues d'ailleurs. Pour Goodhart, les sociétés qui réussissent sont des entités solides, construites sur des habitudes de coopération, de compréhension mutuelle, et liées par la confiance, par une langue, une histoire et une culture commune. Ce qui s'est passé à l'inauguration présidentielle du Salon de l'agriculture 2024 n'est rien d'autre que le choc explosif entre le représentant emblématique des Anywhere, la société liquide, et les représentants du monde agricole, qui sont l'incarnation hautement symbolique des Somewhere, ceux qui sont enracinés dans leur terre. D'un côté donc les enracinés dans un territoire, cultivant la terre ou élevant des bêtes depuis des générations, cette France rurale attachée à ses traditions, son environnement, sa culture et ses valeurs, et de l'autre la France déracinée, celle des halls d'aéroports, des conférences internationales feutrées et des réunions technocratiques aussi élitistes que confidentielles. Deux mondes qui se parlent sans se comprendre, séparés qu'ils sont par un mur invisible et hermétique. Afin de maintenir devant les Français l'illusion du dialogue, Emmanuel Macron s'est d'emblée retranché dans les salons du salon, avec les plus proches représentants de son monde, des Anywhere, les représentants des grands syndicats agricoles, ceux qui vivent le mieux et qui sont donc les plus poreux à son idéologie. Dehors, en bas, les Somewhere étaient nassés par les CRS sur instruction du président, gazés, refoulés et pour certains interpellés sans ménagement. À son arrivée, et pendant près d'une heure, au lieu de serrer les mains et de saluer la foule des exposants et des visiteurs comme le veut la tradition, Macron se retranche donc dans un village Potemkin, taillé sur mesure, en bras de chemise et manches relevées façon je bosse, et devant des figurants triés sur le volet, énamoureuses et mutiques, s'en donne à cœur joie dans un monologue où la technicité le dispute à l'arrogance. Pendant ce temps, les équipes élyséennes grouille, travaille d'arrache-pied en bas pour aseptiser quelques allées du salon et sélectionner des Somewhere dociles dont les stands pourraient être visités par le président. Malgré ces 13 heures de présence au salon, eh bien, il y aura eu de multiples incidents. Jamais un président n'aura été autant Anywhere que Macron et jamais le monde agricole n'aura été autant Somewhere qu'au salon de l'agriculture. Les deux antagonismes se nourrissant l'un l'autre dans une sorte de guerre culturelle larvée. Pendant que nombre d'agriculteurs miséreux sont obsédés par leur fin de mois, Macron, lui, est obsédé par la fin FIM du mois MOI. Ces deux mondes parlent mais ne se comprennent pas. D'un côté, un président qui est persuadé que les mesures techniques, les comptes rendus opérationnels des conseils européens ont répondu et au-delà aux revendications des agriculteurs, et de l'autre, des agriculteurs qui continuent de se suicider dramatiquement au rythme de deux tous les trois jours.
D'aucuns affirment que les agriculteurs ne sont pas aussi mal lotis qu'ils ne le disent. Des études montrent même qu'en moyenne, ils sont dans une meilleure situation financière que d'autres catégories socioprofessionnelles, comme les employés par exemple. Mais cette prétendue aisance est en trompe-l'œil. D'une part, c'est une moyenne qui cache des disparités très importantes entre les viticulteurs, qui dans l'ensemble gagnent très bien leur vie, et les éleveurs de bovins, qui sont eux dans une panade financière quasi permanente. Mais d'autre part, et surtout, le calcul des revenus agricoles est très largement surévalué par l'intégration d'autres revenus qui n'ont rien à voir avec celui tiré exclusivement de l'activité agricole, à commencer par exemple par le revenu du conjoint, qui bien souvent ne travaille pas dans l'agriculture. En moyenne, dans un foyer agricole, seulement 34% des revenus disponibles proviennent directement de l'activité agricole. Ainsi, et comme le résume très clairement l'économiste Sylvain Bersinger, si les agriculteurs ont un niveau de vie comparable au reste de la population et sont moins touchés par la pauvreté, cela n'est pas dû à la prospérité de leur activité agricole, mais plutôt au soutien financier que les agriculteurs perçoivent de leurs conjoints ou de revenus annexes à l'exploitation agricole, comme un deuxième emploi salarié ou des revenus du patrimoine, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculture souffre de maux structurels profonds qui ne sont au fond que la conséquence de choix politiques. Le premier de ces maux est l'extraordinaire inflation normative, les normes, fameuses normes. Le nombre de maux, par exemple, du Code de l'environnement, qui ne vaut pas que pour l'agriculture, bien sûr, a augmenté de 946% de 2002 à 2023. Le Code rural en 65 faisait 755 pages, il en fait plus de 3000 en 2022. Cette embolie normative concerne évidemment tous les secteurs de l'activité, pas seulement l'agriculture. Mais une augmentation exponentielle des normes est aussi une augmentation exponentielle des coûts. Chaque secteur de production va donc supporter l'inflation des coûts en fonction de la plus-value qu'il génère. Dans cette optique, c'est le secteur agricole et en particulier les filières les moins rentables qui vont se prendre de plein fouet l'accroissement de leurs coûts de production dans le sillage de normes de plus en plus complexes et de plus en plus bureaucratiques. Le pire, c'est que la multiplication de ces normes est justifiée par la sauvegarde de l'environnement. Environnement qui ne cesse pourtant de se dégrader à un rythme supérieur à celui de la production des normes censées le protéger. En plus des normes, le second mal dont se plaignent les agriculteurs, et qui découle là encore de choix politiques, c'est la concurrence déloyale. Concurrence déloyale à la fois du reste du monde, mais aussi, et c'est plus grave, de l'intérieur même de l'Union européenne. Cette concurrence déloyale revient très souvent dans les griefs que formulent les agriculteurs en colère. Si on peut admettre l'idée que la concurrence a des effets bénéfiques sur une activité économique, la concurrence doit être loyale, c'est-à-dire que les règles doivent être les mêmes pour tous les agents. Or, c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que le fatras de normes de toutes sortes que l'on applique aux producteurs français, les producteurs étrangers en sont dispensés, parfois totalement, mais souvent plus que partiellement. Or, comme on l'a vu il y a quelques instants, qui dit hausse des normes dit aussi hausse des coûts, et donc in fine aussi hausse des prix. En clair, de plus en plus de produits agricoles français sont plus chers à l'achat que leurs concurrents étrangers et même européens à cause des normes et des coûts qui sont là pour les faire appliquer. Pour être le plus clair possible concrètement, 50% des fruits et légumes que les Français consomment sont importés parce qu'ils sont bien moins chers que ceux produits en France. L'exemple de la tomate espagnole est emblématique. Le kilo de tomate française coûte 1 euro plus cher que le kilo de tomate espagnole. À cela, deux raisons. D'une part, l'Espagne produit davantage de tomates que la France, et d'autre part, le coût de production espagnol est nettement moins élevé que le coût de production français. Mais l'Espagne n'est pas l'unique exemple de concurrence déloyale, il y a pire pour l'agriculture française, à savoir les pays européens non membres du marché unique. Le cas de l'Ukraine est assez illustratif de ce que subissent nos agriculteurs. Les importations françaises de poulets ukrainiens explosent. Pourquoi donc?
Même cause, mêmes effets. Les poulets d'Ukraine sont moins chers parce que leurs coûts de production sont moindres qu'en France. Mais aussi, et là encore, parce que les normes auxquelles sont soumis les éleveurs de volailles ukrainiens, normes salariales, sanitaires, environnementales, sont sans commune mesure avec les normes qu'on exige pour nos agriculteurs nationaux. Mais il y a pire encore. La France a signé avec l'Ukraine un accord commercial en 2015, dont l'entrée en vigueur devait être progressive et s'étaler sur des années, le temps que l'Ukraine intègre progressivement les règles de production en vigueur au sein de l'Union européenne. Mais cette folie totémique d'une concurrence pure et parfaite et immédiate de la Commission européenne, eh bien, on a pris prétexte de la guerre en Ukraine pour accélérer substantiellement la mise en œuvre de cet accord en démantelant, tambour battant et intégralement les droits de douane imposés aux produits agricoles importés de l'Ukraine. Présentée par la Commission européenne comme une aide à l'Ukraine dans le cadre de sa guerre avec la Russie, cette mesure géostratégique s'est en réalité transformée en rivalité économique entre les pays de l'Union européenne d'une part et l'Ukraine d'autre part, rivalité que les agriculteurs européens payent au prix fort. Ce constat est encore plus insupportable quand on sait que la France a accordé à l'Ukraine une aide de près de 3,5 milliards d'euros depuis le début de la guerre en 2022. Bizarrement, quand il s'agit d'aider les paysans français, il n'y a plus autant d'argent et Macron invoque les dettes et les déficits qui empêchent de voler au secours des nôtres. Mais ces dettes et ces déficits disparaissent comme par enchantement dès lors qu'il s'agit de déverser le pognon des Français pour l'étranger. En réalité, la désindustrialisation qui a frappé la France de manière remarquable ces dernières décennies a son pendant dans l'agriculture. Nous assistons depuis plusieurs années à une désagriculturation plus discrète que la désindustrialisation du fait que l'agriculture pèse moins dans le PIB français que l'industrie. Mais cette désagriculturation n'en demeure pas moins encore plus spectaculaire que la désindustrialisation dans la mesure où la France est historiquement, depuis des siècles, sinon des millénaires, non seulement un pays agricole, mais le grenier de l'Europe. Notre pays fut non seulement autosuffisant sur une très longue période, mais il était même jusqu'à il y a quelques années largement excédentaire. Or, aujourd'hui, après 50 ans de concurrence européenne et mondiale, si on enlève la partie vin et spiritueux, notre balance commerciale agricole est très largement déficitaire. Ce qui est un véritable désastre national. Cela n'empêche pas Emmanuel Macron, jamais en reste d'une provocation, de déclarer avec arrogance que sans l'Europe, il n'y a pas d'agriculture française. Parole de celui qui, au fond, ne sait ni ce qu'est l'agriculture, ni encore moins ce qu'est la France. Merci pour votre écoute. Vive la France, vive le peuple français, vive nos agricultures. Vive nos agriculteurs, vive la France qui se bat et à bientôt pour de nouvelles aventures.